Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information de la mi-journée dont voici tout de suite le sommaire. À la une de l'actualité, les citoyens béninois sont heureux de l'initiative du chef de l'État qui a voulu initier une rencontre avec certains partis politiques. Il s'agit notamment des partis en quête d'existence juridique et sur le sujet, certains acteurs politiques saluent cette idée du président de la République. Images sont dans un instant. Lancement des travaux de construction de la route reliant Kétou à Savé et ses bretelles ce mardi 16 juillet 2019 dans la commune de Kétou. Au total, près de 140 km de route bitumée seront construites par l'entreprise brésilienne CCE pour un délai contractuel de 36 mois. Le compte rendu de la cérémonie de lancement dans ce journal. Et puis, les opérateurs économiques sur invitation de l'administrateur provisoire ont répondu présent à la séance d'échange sur les réformes en cours à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Occasion pour les différents acteurs de faire des propositions concrètes en vue d'améliorer le fonctionnement de l'institution consulaire. Voilà le sommet, restez avec nous, le développement, c'est tout de suite. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. Un carnet noir dans cette édition. L'ex-ministre Marcel de Souza n'est plus. Il a rendu l'âme hier des suites d'une crise cardiaque à Paris en France dans sa 65e année. Marcel de Souza fut ministre du Développement, de l'Analyse économique et de la Prospective, directeur national de la BCAO, leader du parti FRAP, candidat malheureux aux élections présidentielles de 2016. Il a été porté à la tête de la commission de la CEDEAO le 8 avril 2016. Une commission qu'il aura dirigée de main de maître pendant 3 ans. Paix à l'âme donc de l'illustre disparu. Les forces Corée pour un Bénin émergent ont tenu dans la journée de ce mardi un point de presse. Ceci au lendemain de la rencontre avec le chef de l'État. Pour ces acteurs politiques, le dialogue politique national devra répondre à des préalables tels que le retour des exilés, l'organisation d'une nouvelle élection législative et autres. Et au lendemain de cette rencontre, certains acteurs politiques louent l'initiative du président de la République et la clairvoyance de l'opposition, celle qui a effectivement répondu, présente à cette rencontre. Romia Drongoui, Silas Zoni. La légitimité tirée du peuple, la personne qui l'a, c'est encore le chef de l'État. On a besoin parfois d'écouter celui à qui on a donné mandat. La séance de concertation de ce 15 juillet 2019 au Palais de la République est une étape importante dans l'amorce du dialogue politique au Bénin. 10 formations politiques sur les 11 ont certainement compris l'enjeu, ce qui explique leur présence aux côtés du premier des Béninois et ce choix est salué par des acteurs politiques. 10 sur 11, je crois que c'est heureux et c'est avec espoir que nous pouvons déclarer que, chemin faisant, la 11e formation politique aussi rejoindra cette barque qui a pris maintenant son envol pour atterrir au port du dialogue qui est annoncé entre les fils et les filles du Bénin, notamment les acteurs politiques. Qu'en décidant de positionner l'acte numéro 1 à partir de la situation des formations en irrégularité et qui doivent rapidement rendre leur situation régulière, le chef de l'État veut élargir la base du dialogue politique national. Il note par ailleurs des avancées au regard des conclusions issues de ce tête-à-tête entre Patrice Talon et les responsables des formations politiques invitées. J'ai pu noter que les problèmes majeurs qui se posent à nous sont pris en compte, car les difficultés sont nées de l'application de la charte des partis politiques et du code électoral. Les acteurs politiques iront à une table de négociation et verront dans quelle mesure corriger la charte des partis politiques et le code électoral sans remettre en cause la réforme du système partisan. Cette rencontre constitue, selon eux, les prémices d'un dialogue politique fructueux, ceci au fin d'aplanir les divergences, comme c'est le vœu du président Patrice Talon. Romuald Rouy a signé ce commentaire.
De Cotonou, on se rend maintenant à Parakou qui accueille depuis ce lundi un atelier d'évaluation des élections législatives du 28 avril 2019. Les participants étaient en l'occurrence les acteurs impliqués dans l'organisation des dites élections prévues pour prendre fin ce jour. Cette rencontre est constituée de plusieurs communications et des travaux en atelier afin de procéder à une évaluation objective de l'élection ayant conduit à la désignation des membres de la 8e législature. C'est un reportage de Fidèle Zimbaba et Maké Kakbo présenté ici par Isaac Adjé. Parakou accueille du 15 au 17 juillet 2019 l'atelier d'évaluation des élections législatives du 28 avril. La plupart des acteurs impliqués dans le processus électoral se sont donc réunis dans ce cadre pour faire un bilan. C'est une cérémonie officielle qui a lancé les travaux du dit atelier, composé notamment de communication et de travaux en atelier. Le choix porté sur la ville de Parakou pour abriter un tel événement n'est pas anodin. Le choix de la ville de Parakou n'est certainement pas un hasard. Et des voix plus autorisées que la mienne reviendront sans doute là-dessus. En tout cas, au nom des villes où on a pu noter une certaine réprobation des réformes opérées dans le système politique au Bénin, Parakou est la plus importante à plusieurs égards. Elle est en effet la vitrine du Septentrion, et c'était le choix de certains de mettre le feu à Parakou. Il a fallu beaucoup d'efforts au plan administratif et sécuritaire pour éviter le pire. Il faut rappeler que les élections législatives du 28 avril se sont déroulées avec de nouvelles lois électorales dont l'application n'a pas été du pain à moudre. Cet atelier d'évaluation était donc nécessaire. Les élections des membres de la 8e législature de l'Assemblée nationale du Bénin se sont déroulées le dimanche 28 avril 2019 dans un contexte marqué par une réforme électorale ayant conduit à l'adoption et à la promulgation de deux textes de loi qui ont renforcé l'arsenal juridique électoral de notre pays. L'application de ces nouvelles dispositions légales a suscité certaines difficultés liées notamment à l'interprétation de quelques articles des deux lois susmentionnées. Au terme de ces élections, il importe de procéder à une évaluation objective du processus en vue d'en apprécier les avancées, de recenser les problèmes rencontrés et de faire des propositions d'amélioration pour les prochaines élections. Parmi les raisons qui justifient la tenue d'un tel atelier figurent en bonne place les événements survenus lors du déroulement du scrutin du 28 avril. En raison de la tenue, dans des conditions jusque-là inédites, du scrutin législatif du 28 avril, au cours duquel notre pays a connu des événements dramatiques ayant compromis la paix sociale, avec pour corollaire une perception négative de notre modèle démocratique, certains esprits sceptiques pourraient s'interroger sur l'opportunité de procéder à une évaluation du processus électoral qui vient de s'achever. Mais c'est précisément cette situation inédite et ses conséquences regrettables qui constituent une raison supplémentaire de la tenue de cet atelier. Cet atelier permettra donc aux participants de ressortir les forces et faiblesses du processus électoral afin de pouvoir améliorer les autres processus électoraux à venir. Lancement des travaux de construction de la route reliant Kétou à Savey et ses bretelles hier mardi 16 juillet 2019 dans la commune de Kétou. Au total, près de 140 km de route bitumée seront construites par l'entreprise brésilienne CCE pour un délai contractuel de 36 mois. C'est le ministre des Infrastructures Alassane Seydou qui a lancé officiellement les 10 travaux. C'est un reportage sur des images de Jean-Marie Kédoulou. Voici l'acte qui consacre le lancement officiel des travaux d'aménagement et de bitumage des routes Kétouidi-Savey, Savey-Okeo et Omoa-Ekotonia. C'est donc un grand jour pour les populations de ces différentes localités bénéficiaires. Chère population de Kétou, c'est une grande joie qui m'anime en ce moment car la réalisation de cette importante infrastructure routière mettra fin au calvaire de nos populations. Donc il y a Ekotonia. Omou, il a dit Mossou Kagbe, c'est ça, hein? Kagbe, qui fait 26,6 km. Et bien entendu, Savey-Okeo
frontière du Nigeria qui fait 27,5 km. La route qui sera faite, elle sera pratiquée par tous les Béninois. Et je crois que c'est l'intérêt, c'est la raison fondamentale pourquoi nous soutenons le gouvernement. Pour que le gouvernement puisse poser ces actes-là de développement dans nos différentes localités. Au total, près de 140 km de routes bitumées sont prévues pour un coût total de 118 milliards de francs CFA, dont 6 milliards de francs CFA provenant du budget national. La concrétisation du projet de construction de ces voies a été possible grâce à l'excellente coopération entre le Bénin et le Brésil. Je me réjouis donc d'être parmi vous en cette circonstance pour célébrer un événement qui va certainement contribuer à renforcer davantage les relations entre le Brésil et le Bénin. Le lancement officiel ce jour des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Ketou, Idjini, Iboja, Savé, Omu, Iladji, Moussoukagbe, Aketo, Nouya, traduit l'effort du gouvernement brésilien pour contribuer à la construction d'infrastructures modernes au Bénin. L'aboutissement de ce chantier traduit la volonté du gouvernement à travers son programme d'action de doter le Bénin d'infrastructures routières suffisantes et de qualité. La construction de ces voies vient s'ajouter donc aux nombreux chantiers routiers ouverts un peu partout sur le territoire national depuis l'avènement de la rupture. La réalisation des travaux d'aménagement et de bitumage des différents tronçons de route de ce projet permettra d'améliorer les conditions et le coût de transport des personnes et des biens. Elle permettra également d'assurer le désenclavement des zones traversées en facilitant l'accès aux centres à forte potentialité économique, de réduire le nombre d'accidents de la circulation, d'améliorer l'environnement immédiat et le cadre de vie des populations, d'accroître la sécurité des personnes et des biens, de faciliter l'écoulement des produits agricoles vers les grands points de commercialisation, de développer les activités socio-économiques en général. L'entreprise CCE, en charge de la réalisation des travaux, dispose d'un délai de 36 mois pour achever et mettre les différents tronçons en circulation. Le calvaire des populations pourrait être bientôt conjugué au passé. Les opérateurs économiques, sur invitation de l'administrateur provisoire, ont répondu présent à la séance d'échange sur les réformes en cours à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Occasion pour les différents acteurs de faire des propositions concrètes en vue d'améliorer le fonctionnement de l'institution consulaire. La séance de travail s'est tenue ce mardi dans l'enceinte de la dite institution. Le point de la séance avec Elia Durand et Paul-Esther Saoussi. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin amorce une nouvelle ère à travers une ligne de conduite au sein de l'institution. Les réformes statutaires envisagées visent à corriger les dysfonctionnements et contre-performances relevés dans la gestion de l'institution consulaire, d'où l'importance de la relecture des textes qui les régissent. Le gouvernement est aussi fortement préoccupé par le rayonnement de l'institution consulaire, qui est un outil privilégié pour la promotion du secteur privé au Bénin. Le gouvernement a estimé qu'il fallait mettre en place une administration provisoire neutre qui peut de façon impartiale appréhender les problèmes et poser des solutions idoines à la refondation et à la modernisation de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Après 6 mois d'activité entre les professionnels, les acteurs de la CCIB présentent les grandes lignes des réformes afin de recueillir les avis et suggestions des opérateurs économiques. À présent, les projets de test sont préparés. Ils ont été revus par le comité de supervision mis en place par le gouvernement. Nous avons aussi fait diverses consultations avec certaines organisations professionnelles. Il restait donc pour parachever l'approche participative de la conduite de la réforme. Donc je rencontre un plus grand nombre d'acteurs économiques dans les différentes régions économiques de notre pays. Et si vous êtes tous d'accord avec ce qui est fait ou ce qui est en cours et que vous l'avez si bien apprécié, c'est que nous devons nous mobiliser comme un seul homme pour gagner et atteindre effectivement les résultats préconisés. Cette innovation est la toute première dans les annales de la CCIB. Une démarche de proximité très saluée par les bénéficiaires, en ce sens qu'elle permet à beaucoup d'entrepreneurs
de se formaliser et de s'intéresser désormais à la Chambre de commerce et d'industrie. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup d'innovations dans ce projet de texte, et lesquelles innovations vont améliorer la gouvernance de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. C'est pour cela que nous pensons que c'est une bonne chose. Pour parfaire le présent document avant son adoption en Conseil des ministres, l'administration provisoire de la CCIB invite tous les entrepreneurs à venir donner leurs avis sur les réformes en cours au sein de l'institution. Les risques et catastrophes étaient ce mardi au cœur d'un atelier à Cotonou. Il s'agit de l'atelier technique de lancement du programme de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques au Bénin. Les cadres du ministère de l'Agriculture et de celui du cadre de vie ainsi que d'autres acteurs prennent part aux travaux. Le point de la cérémonie d'ouverture du lancement avec Latif Boni et Aliou Anthony. C'est depuis 2014 que le Bénin a signé l'accord cadre de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques. Mais depuis, le pays n'a pas pu évoluer dans la mise en place des unités opérationnelles de cette structure de l'Union africaine. Depuis 2017, le Bénin se rattrape et l'atelier de ce mardi matin balise le terrain pour un démarrage effectif du programme de la Mutuelle qui est attendu vu le niveau des risques auxquels sont exposées les populations. Son objectif est d'aider les États membres à réduire le risque de perte et de dommages causés par des événements météorologiques extrêmes et des catastrophes naturelles qui affectent les populations africaines. Le Bénin se trouve parfaitement concerné. Les risques, les populations les vivent au quotidien et la mutuelle, appelée African Risk Capacity, est beaucoup attendue. La représentante du directeur sous-régional de l'organisme rassure, la mutuelle a des capacités et outils techniques conséquents. Le processus de l'ARC est basé de façon technique sur son logiciel African Risk View qui permet de renforcer les systèmes d'alerte précoce. La technologie African Risk View utilise les données pluviométriques satellitaires pour évaluer les coûts d'une intervention en réponse à la sécheresse. Ces coûts d'intervention modélisés permettent de calculer le montant des polices d'assurance émises par la société d'assurance ARC Insurance Company Limited. En plus du logiciel ARV pour la sécheresse et par la demande de ses États membres, l'ARC a développé deux nouveaux produits pour les inondations et pour les pandémies et épidémies qui sont en train d'être testées au Togo, au Ghana, en Côte d'Ivoire et en Guinée pour le modèle des inondations, et au Mozambique et en Guinée pour les épidémies et pandémies. Parler de risques au Bénin, c'est rappeler des épisodes difficiles tels que les plus violentes, les inondations les plus tardives, le niveau élevé de la mer, les sécheresses, la chaleur, la demande et l'attente de l'action de l'ARC. L'African Risk Capacity sont là et le directeur du cabinet du ministre de cadre de vie n'attend de cet atelier que de répondre à ses propres attentes. Il s'agira de définir pour notre pays le profil de risque lié aux sécheresses et aux inondations pluviales. C'est la raison pour laquelle le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche s'associe au ministère du cadre de vie et du développement durable ainsi que tous les autres ministères sectoriels et institutions nationales pour conduire ce processus. Distingués invités, mesdames et messieurs, les cadres et acteurs qui ont pris part à cet atelier venant du ministère de l'Agriculture et celui du cadre de vie s'engagent à rendre opérationnelle la Mutuelle panafricaine de gestion des risques et même travailler à faire ratifier l'accord de la Mutuelle par notre pays. Et avant de prendre congé de vous, vous le saviez bien, c'est les grandes vacances pour les apprenants béninois. Depuis quelques semaines, après 9 mois de cours intenses, quoi de mieux qu'une bonne période de repos? Mais pendant ce moment de répit, quels sont les types d'activités recommandées à ces apprenants? Et quelle est la responsabilité des parents dans la gestion de ces périodes? Les réponses dans ce reportage de Imelda Dadé et Aliou Anthony, présenté ici par Olali Soussou. Tout comme ces enfants, ils sont nombreux à profiter déjà de leur première semaine de vacances. Moment de distraction mais également d'apprentissage où les apprenants s'éloignent au maximum des cahiers et livres. L'opportunité est donnée à chaque parent d'orienter ses enfants sur le type d'activité à mener au cours de ses vacances. Pour être enregistré aux activités de
lectures, de séries de contes et d'ateliers pour susciter leur imagination à de petits bricolages. Faire de la lecture un exercice quotidien. Voilà, si chaque matin les parents leur donnent à faire une dictée, par exemple, ça va les aider à améliorer les niveaux d'orthographe et de grammaire. Ça peut être comme un jeu pour eux, mais très instructif. Et ça va les préparer aussi pour la rentrée prochaine. Des spécialistes insistent par ailleurs sur la responsabilité des parents afin de limiter d'éventuels dégâts qu'auraient engendrés certains jeux. Les vacances, c'est déjà dans un premier temps une organisation. La première chose que moi, généralement, je conseille aux parents, c'est de mettre leur congé pendant les vacances des enfants, afin que pendant au moins 3 à 4 semaines, qu'ils puissent rester avec leurs enfants, profiter d'eux et que les enfants aussi profitent de leurs parents. Et quand je m'organise, j'ai un projet, j'ai des programmes de vacances, on se repose un peu plus et on fait des activités en famille. Aujourd'hui, tous les parents sont partis encore et les enfants sont à la télé pendant les vacances. C'est là l'activité primordiale pendant les vacances. Télé, télé et télé. Est-ce que c'est la télé qu'il faut pour les vacances? Je ne crois pas. Amener les enfants à exercer des activités instructives pendant les vacances est bien, mais les faire en famille contribue également à leur épanouissement. Voilà, fin de cette session d'information derrière laquelle se cache toute une équipe qui vous remercie de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information présentée, c'est à 19h45. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien.